www.casarema.fr. L'Ancien Testament, c'était avant la naissance de Jésus-Christ. Pour nous, nous avons même un peu l'Ancien Testament. Mais tu as l'air de sauter dans le Congolais. Hein? Livre à Souka, Ancien Testament. Psaume. Bon, Ancien Testament, c'est avant Jésus-Christ et le Nouveau Testament, c'est après Jésus-Christ. Mais là, dans les Corinthiens, comment les Corinthiens? Nouvel album, Ma Prière. De la sœur Inès Nzembani. Bientôt disponible sur le marché des disques. Clip en promotion. Punda. Esengisa koko mesayo. Ya. www.casarema.fr. Bonjour à tous nos fans de Casarema. Bienvenue à notre tranche magazine Que disent les Quinois. Que disent les Quinois, toujours votre magazine. Magazine est la Bino Makamwasika. Oui, il y a une question, une réponse pour la juste Kolongola ignorance. Oui, il y a une question à Bisso. Jusque là, déjà, on vous signale que Casarema na Chombo. Donc, il suffit juste d'avoir ton téléphone marque Android. Tu télécharges l'application Casarema na Katia Play Store. Là, on peut Casarema TV, Casarema YouTube et Casarema Radio na téléphone. Donc, et Pekisio, Kokende sous Cyberté, Kofuta Bambongo Bele Bele, juste quand la téléphone na yo. Pour ta la émission, ba magazine, ba Kedis, ba émission comme ba Kwanti Kwan. Donc, nous sommes tous quand on a quatre téléphones. Et aujourd'hui, on va là vous parler de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Différence ni niveau exact entre Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et de citer quelques livres autoyeb na kati ya Ancien Testament na Nouveau Testament. Et je vous laisse un micro baladaire avec Shadrach Kaongo. Suivez. On a un Ancien Testament. Ils arrivent nini avant Jésus-Christ, nous débattons de l'Ancien Testament, Nouveau Testament après Jésus-Christ. Naïve ne belette. Dans le Nouveau Testament, naïve kaka premier livre naïve Matthieu, Jean, Luc, le livre naïve à moi. Ancien naïve Exode, naïve Kiminga. À cet testament, vous avez 36 livres, 37 livres. En cet testament, dans le Nouveau Testament, différence dans nos alliés. En cet testament, ils ont après Jésus. Après Jésus, il y a un ancien testament. Ce Nouveau Testament, ils allient avant, après Jésus. Mais ça, dans le Nouveau Testament, tu as dans Jean. Tu as Matthieu, tu as Likikuna, tu as Marc, mais dans cet testament, tu as Lévitique, tu as Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, donc ils sont belés. Bon, ils ont 39 livres. Ils ont 27 livres. Ils ont l'Apocalypse. Ouais. Ok, merci. En cet testament, il y a relaté l'histoire, il y a création. Quand Elohim créait le monde, dans le peuple Israël. Ils ont relaté l'histoire, il y a création, il y a Moukili, par Elohim, dans le début, il y a Israël, naissance à Israël. Qui n'a pas prophète. Il y a venu à Yehoshua, à Mashiach, dans le Yaki, il y a la bonne nouvelle.
Testament représente l'ancienne alliance et un nouveau testament représente une nouvelle alliance de la venue de Yehoshua à Machia dans la venue de Yehoshua. Oui, ça dépend du verset biblique. Sauf que Jésus, par exemple, Louis II a au moins 66 livres, il est reconnu. Mais dans d'autres versions comme Jérusalem, Tobie, Abbé Crampon, il y a plus que ça. Il y a 39 versets comme 66. Mais d'autres versions, c'est plus que 66 livres. Oui, dans l'Ancien Testament, on voit d'abord la Genèse. Genèse, comme début, il y a livre, il y a l'Ancien Testament. Et ce qui n'a Malachi. Ils ont clôturé l'Ancien Testament. Ça commence par l'évangile selon Matthieu et ça termine par l'Apocalypse, écrit par Yohanan en Bengjan. Ah, livre 4, ils ont caboulé. Je ne sais pas, hein, parce que dans ce testament, nous avons les lois écrites par Moïse, on a les prophètes, d'autres Esaïe, Jérémie, Yeshayahu. Et on voit maintenant les psaumes, comme David et d'autres livres. Merci beaucoup. La différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, l'Ancien Testament a parlé de l'histoire avant Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament a parlé de Jésus-Christ quoi. Ancien Testament, si je ne me trompe pas, il y a pour attendre un peu la Bible. 39 livres. Nouveau Testament 27 livres. Oui, Ancien Testament, on a mis sur Genèse, Exode, Deutéronome, Josué ainsi de suite. Voilà l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a commencé d'abord par Yémoro, Matthieu, et puis Marc, Jean, Luc, jusqu'à Soukao, Bani Sarabatou, Apocalypse, voilà. Livre Souka, Ancien Testament. Psaume. Ok, merci beaucoup. Ok, vraiment, je vous en prie. Ouais, il y a une grande différence. La Bible a deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était avant la naissance de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, justement après la naissance de Jésus-Christ. Oui, l'Ancien Testament, c'est à 39 livres, si je me rappelle bien. Nous avons les Genèse, qui est le premier livre. Nous avons l'Exode, Nombre. Nous avons Lévitique, nous avons un roi, nous avons un Samuel, nous avons Proverbe, nous avons Esther, nous avons... Donc c'est beaucoup. Et pour le Nouveau Testament, nous avons l'évangile selon Jean, selon Marc, selon Matthieu, selon Luc. Nous avons. Livre de Nouveau Testament. C'est l'Apocalypse. Ok, merci beaucoup. Ok. Nouveau Testament, ils en ont 37 livres. Ancien Testament, ils en ont 27 livres, si je ne trompe pas. Quelques livres dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ils ont Jean, Luc, Matthieu. Donc là-bas, Deutéronome, donc là-bas, Isaïe et Bélé, quoi. Livre sous le Nouveau Testament, Apocalypse. Oui, il y en a sur l'Apocalypse. C'est la Malachi. Bon, il y en a sur l'Apocalypse. Il y a l'Apocalypse. Il y a Malachi. Bon, je ne sais pas, quoi ça l'appelle, mais il y en a avec l'Apocalypse. En tout cas, dans la coco, ça te nebi dans la tête. Nebi qui a réalisé Bélé. La Genèse, la Lévitique, l'Exode, Samuel, je crois Samuel, le Deutéronome, Blue Mandingwana, na on a les amis du Proverbe. Pour on a mouta Bokoko, Proverbe, côté Ancien Testament.
côté du Nouveau Testament, il y a des Matthieu, des Marc, des Jean, Paul, des Comela. À Comela, il y a des gens qui ont fait des Corinthiens, à Comela, ils ont fait. Vous comprenez ma message, Joana? À Comela, il y a des Thessaloniciens. Ma belle, on est allé en Grèce. Pour petit, on va mettre à balle. Je vais dire que tout le monde est en Corinthe. De côté, on va livrer. Souka na. Ah merde. Oui, le bébé Ramakamouya, mystique, trône. Un apocalypse. Voilà. Ouais, souka, mais c'est belé quoi. Mais Paul n'est à comment mingi n'est au boy. Moukana n'a pas la boy. Moukana n'a la boy. N'a pas romain. Mais n'a pas la Corinthien, comme la Corinthien. Par le bac et deux, beaucoup laissent s'animoter la mouton ma bé. Allez la carte, frère, beaucoup laissent s'animoter. Et surtout, au PCM, beau été. N'allez la carte, on a. Bon, différence n'a pas le bas. Dans l'Ancien Testament, oh, il y a beaucoup de gens qui ont Torah. Ah, bah, le bas, on a dit, mais l'Ancien Testament, comme on a Torah. Kuna, bah, le bela, bah, histoire mon ancienne par rapport à avant naissance à Jésus. Bah, ma solo, mon boy, il y a ma peuple, on a. Ne ba okumbe la vie na bango na na masoro na bango po na ngabina mema ka mwana pe ya sete sa metal ngobe biso te ba kongole kutu po ba lo bela o ninive o ninibo o ninive na ngai problem na ngai lwe ba ka makala o libula nkosi o daniel bo daniel na ngai problem na ngai lwe chiko to ka na nouveau testament ba zoro bela doto ba via jesus ne ngai ko enseigner ba enseignement na ye ya ba apotre na ye ndenge ba meka ko kumanyola ko expliquer on na ba peuple quoi. Si je suis en Sougana, il y a un bâtiment qui est compris. Il y a un apocalypse. Ils ont dépassé le bateau. La différence, c'est qu'il y a un peuple. Il 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 y a un peuple. Quand il y a un Nouveau Testament, c'est l'un des bâtiments. Il y a un légal. Il y a un peuple. Il y a un peuple. Il y a un peuple qui est une nouvelle alliance. Nde ba tey abiso na église mais menga mena sukunate. Ba ba ko nouvelle alliance do bonde kwa sika. Masola sika à travers Jésus quoi. Nde ba tey abiso. À peu près ça quoi. Nouveau Testament pardon, na banana na Ancien Testament eza livre moko oyo komama na tango avant Jésus-Christ. Nde Nouveau Testament et yoko koma après Jésus-Christ. Nde ba yoko koma makambo Jésus-Christ la sala na Nouveau Testament. Ancien Testament a 39 livres, Nouveau Testament ezan a 27 livres. Ancien Testament ezan a Genèse, ezan a Exode, ezan a Juges, ezan a Esther, ezan a un roi des rois. Ezana Psaume, ezana Esaïe, ezana Jérémie, tout consort là. Nouveau Testament, ezana Matthieu, Jean, Marc, Jacques, Pierre, Actes des apôtres, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Apocalypse, nde yokosuk sango, si je me trompe pas. Non, et bandeli ancien, d'abord kuto lobi e bandeli kuto na lingala Ancien Testament yango ba benga pe bandeli Genèse yango wana eza e bandeli suka nango eza soki otangi bien eza Sophie au mona Abakouk Sophie ba livre wana e keyo wana nde eza suka nango mais tandis que Nouveau Testament e bandi na Matthieu e suki na Apocalypse. Ancien Testament est avant Jésus-Christ et puis le Nouveau Testament est après Jésus-Christ. Ancien Testament est à 39 livres, Nouveau Testament est à 27 livres. Dans l'Ancien Testament, il y a Genèse, il y a Job, il y a Psaume, il y a Jérémie, il y a Esdras, il y a Exode, Deutéronome, na nombre. Na Nouveau Testament, on a Jean, Marc, Luc, Apocalypse, Jacques, et Pierre, Matthieu.
Bon, Ancien Testament, ils ont avant Jésus-Christ et le Nouveau Testament, c'est après Jésus-Christ. Ancien Testament, ils ont 39 livres et le Nouveau Testament, 29 livres. Et 27, pardon. Bon, on a Ancien Testament, tous en Genèse, tous en Exode, tous en Psaume, tous en Philippiens Nouveau Testament, tous en Esther, tous en Job, dans le Nouveau Testament, tous en Matthieu, tous en Marc, tous en Luc, tous en Jean, tous en 1 Pierre, tous en 2 Pierre, Apocalypse, ainsi de suite. Je vous en prie. La différence. Nouveau Testament, c'est après Jésus-Christ. Mais tandis que l'Ancien Testament, c'est avant Jésus-Christ. Nouveau Testament, ils en ont 39 livres. Nouveau Testament, ils en ont 27 livres. Ancien Testament, ils en ont 39 livres. Dans l'Ancien Testament, nous avons Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Psaume, Esther, et puis Ésaïe. Bon, dans le Nouveau Testament, nous avons Matthieu, Luc, Jean, Marc, Actes, Juges, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, ainsi de suite, et puis Apocalypse. Différence, c'est ça. Nouveau Testament, ils ont Jésus, Luc, Jean, donc Jésus, Apocalypse, Matthieu, le Nouveau Testament, ils ont Ancien Testament, ils ont Jean, Luc, Genèse. On va partir à Genèse, Jésus, Jacob, Ancien Testament, ils ont dans trois livres, à peu près tranquille, 39, 38 à 39. Nouveau Testament, ils ont après 25 à 27. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait. Ce qui se fera, bien. Allô, maman Lise? Oui, Yannick. Oui, oui, maman Lise. Bonjour. L'application Casarima? Oui. Bon, yebisanga. Torosala boni photo zwango na bachombo. Tu peux télécharger ça sur Google Play Store ou sinon pour les iPhones sur App Store. Ah, mais tu n'as point de quoi un monde mobile, monde entier. La chombo bamba batali Casarima TV. Oui, tu peux télécharger ça sur Google Play Store. Ah bon? Mais c'est que Satan a qu'est-ce que lui fait l'eau ou apino? Satan a qu'est-ce que lui fait l'eau? Non, moi, ça va. Non, pas ça va. Quoi, quoi, mon mobima? Quoi, gros boy, a qu'est-ce que lui fait l'eau? Satan, vraiment, a du zéro. Quand ça va à la radio, quand ça va à la TV, quand ça va à l'internet, quand ça va à la chaîne, quand ça va à la chaîne, ah, des merdes, la vie, Satan, ma femme, il y a un poisson à couper. On lui fait l'eau, mais il y a billet, la vie, maman. Enfin, Casarima, tu sais pas qu'on a déjà une application sur Google Play Store? Tiens, maman,
Il était beau quand il était jeune.